C'est une image assez triste et pitoyable que les évêques du Congo renvoient à la conscience collective de la population qui vit dans une extrême pauvreté. L'Église catholique a choisi de trahir sa vocation, celle d'être du côté du peuple. L'Église catholique congolaise a choisi de passer l'ardoise sur les contentieuses historiques, notamment celle de l'assassinat du cardinal Émile Biaenda, en se mettant à table avec les bourreaux, les criminels, des assassins du peuple. Cette vidéo fera date. Oui, c'est la réalité du Congo-Brazzaville. Nous sommes bien au CHU. Oui, le cadre, nous sommes au CHU, le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Pour une petite pluie à peine de 20 minutes de cela, voilà, les gardes malades n'ont plus là où s'abriter. Donc voilà. Les gardes malades sont obligés d'avoir les pieds en haut. Les nattes étant à même le sol, obligés de les suspendre. Alors que la population congolaise vit dans une extrême misère, imposé par un homme en la personne du dictateur Denis Sassou Nguesso, les évêques du Congo ont choisi de se rendre complices en allant festoyer chez le criminel, chez l'un des criminels du régime tribaliste Mboshi. Jean-François Ndenge a aussi joué un rôle non négligeable dans l'affaire des disparus du Beach de Brazzaville et dans les bombardements du Pôle, causant ainsi un génocide du peuple Lari. Une image vaut mieux que mille mots. Oui, c'est la suite de ce tournage. Nous sommes toujours au CHU. Et voici, ça c'est la chapelle. C'est bien la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Donc nous sommes toujours au CHU. Donc c'est la chapelle Notre-Dame de Lourdes du CHU. Et donc nous sommes, pour ceux qui connaissent bien le CHU, c'est l'ancien couloir qui servait de conduire les corps pour la morgue. Donc les gardes malades n'ayant plus là où s'abriter, on s'est servi de ce couloir malgré ça. On a toujours les pieds dans l'eau. Et c'est la réalité du Congo. Un pays producteur de pétrole. Les gardes malades.